Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Locus. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes tranquillement installé pour déguster ce que nos journalistes vont nous dire ce soir. On commence par Daniel Compère. Bonsoir Daniel, merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Rédacteur en chef du Progressiste qui, cette semaine, titre « Canton rouge, Marie-Jeanne, syndrome de démolition ». On voit d'ailleurs le titre à l'antenne en ce moment. Je le rappelle, c'est un journal qui sort tous les mercredis. Tous les mercredis. Une excellente lecture à faire pour apprendre plein de choses. Gabriel Gallion, bonsoir et merci d'être avec nous. D'ailleurs, bonsoir. Il est d'ailleurs plongé dans le progressiste. Là, mais Gabriel. Il a de bonnes lectures. Il a de bonnes lectures. Bonsoir Gabriel, merci d'être avec nous. Je suis plongé dans tous les journaux qui passent auprès de mes yeux, c'est clair. Gabriel. C'est raisonnable, toujours. Alors, je ne sais pas s'il faut que je dise rédacteur en chef. Ça me titille. Il n'y a pas de titille. Non, bon, alors. Pas chercher pièce cancamba. Personne n'y va. Alors, on met France-Santi à l'antenne. Oui, s'il vous plaît. Vous voilà. le titre, voilà. France-Santi à l'antenne, Gabriel Gallion. Journaliste politique. Ouais. Journaliste politique. Et depuis quelques temps, avec des articles ô combien intéressants. Depuis quelque temps. Non, inintéressant. C'est pas ce que je dis. Disons qu'en ce moment, tu as de la matière, peut-être. Peut-être, j'en sais rien. Surtout que ça paraissait pas évident. Ça paraissait pas évident. Alors, de l'autre côté de la table, Michel Branchy. Bonsoir, Michel, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous et à toutes. Hein. Rédacteur en chef de Justice, journal qui paraît aussi, non pas le mercredi, le jeudi. Le jeudi, d'accord. Ouais. Qu'on voit à l'antenne. Ah, par contre, oui. C'est pas le titre de cette semaine. Cette semaine, c'est « Va-t-on voler au peuple sa victoire ?» avec Alfred Marie-Jeanne. Voilà, c'est celui de cette semaine. Tout à fait. Ne vous laissez pas abuser, c'est celui-là qu'il faut prendre. C'est gentil, ça, c'est pas s'il ça. Vous plaît. Mais il est déjà en kiosque. Il est déjà en kiosque. Ouais. Et Eddy Marajo, le boss donc de toute une série de, c'est marrant, c'est de journaux. Voilà. Alors là, aujourd'hui, c'est « Qui contrôle l'économie ? Business News ?» Donc, Eddy Marajo. C'est celui qui est en kiosque. C'est celui qui est en kiosque. En ce moment, voilà. Ouais. Qui contrôle l'économie aux Antilles Guyanes. Je peux me mettre dans ce numéro, il y a non seulement… Celui de notre ami Eddy. Notre ami Eddy, il y a non seulement une actualisation de son étude il y a quelques années, de 2008, sur qui contrôle l'économie, c'est-à-dire, en gros, moi je vais dire ça dans mon langage, la composition du capital en Martinique. Bon, ça, c'est très intéressant de savoir, pour ne pas dire de bêtises. Et puis surtout, il formule un certain nombre de propositions au début de la nouvelle mandature de la CTM sur des orientations en matière économique et sociale, et qui sont, pour certaines, à mon avis, très pertinentes. Et je compte beaucoup sur Michel pour faire en sorte que certains les lisent et peut-être les appliquent. La seule critique que je ferai, je lui donne la teneur de mon prochain papier. ça va être sévère. La seule critique que je vais faire, c'est que la plupart de ces propositions, il y en a 10, hein, il y en a 7 sur 10 qui ne peuvent être appliquées dans le cadre de l'article 73. Qui ne pourrait être appliqué que dans l'article 74. Je le dis d'ailleurs dans l'article. Je dis que nous n'avons pas forcément les moyens. Par contre, nous pouvons pousser, et les parlementaires notamment, peuvent pousser à aller vers ces décisions qui, pour certaines, parmi les 7-là, peuvent être prises par le gouvernement et avec du lobbying martiniquais. Alors, je crois qu'il est important de remettre à l'antenne pour que les gens puissent bien voir. Voilà. Non, mais il est bon qu'il y ait un débat économique sérieux. Non, mais c'est vrai. Sur des options. Et on remet à l'antenne. Pas des cancans citoyens. Ouais. Oui. Citoyens. Alors là, c'était Business News. Ah. S'il te plaît, mais dans un moment, c'est pas encore fait. Alors, voilà. Qui contrôle la Martinique avec, vous l'avez compris, une mise en bouche de Michel Branchy extraordinaire. Donc, si Michel dit ça, les gars, achetez. C'est pas le but. C'est pas le but, Alors, mercredi, depuis mardi soir, d'ailleurs, une partie de la Martinique avait commencé à pencher du côté de Fort-de-France avec des tambours. Puisque sur le boulevard Général de Gaulle, il y a eu des tambours, il y a eu des chants depuis mardi soir.
ça s'est amplifié mercredi, puisque c'était le procès d'Alfred Marie-Jeanne. Donc je vous propose, vous le savez déjà que ce procès a été renvoyé au mois de novembre, mais je vous propose de regarder un petit peu en image ce que nous avons pu filmer mercredi du côté de Fort-de-France au palais de justice. Ce matin, au tribunal de Fort-de-France, s'est déroulé le premier volet de l'affaire Green Parrot. Un premier volet qui n'en était pas vraiment un, puisqu'il s'agissait de décider si oui ou non le fameux procès intenté envers le président de la CTM, sa fille et Mark Frampton serait reporté ou non. Je ne suis pas un devin. Le tribunal, vous l'avez bien compris, était particulièrement embarrassé. Et je peux dire objectivement, et vous l'avez vu, que c'est une solidarité de pétrin. Cela veut dire qu'on veut sauver ceux qui ont fauté. Que par conséquent, on a envoyé ça, le tribunal a jugé bon de renvoyer ça au 9. Ce n'est pas ça la véritable question. La véritable question est celle que je vous demande de comprendre. Je serai présent. Et j'ai bien dit, et retenez ça une fois pour toutes, qu'au-delà de ma personne, ce sont les juges qui étaient chargés de faire appliquer la loi. Je voudrais qu'ils soient là pour que je porte plainte contre eux définitivement. J'en ai marre avec cette justice qui ne peut pas laisser tranquille Alfred Marie-Jeanne pour une cause qu'il n'a pas commise. C'est-à-dire que des suppositions et on salit un homme, je trouve qu'on en a marre. Le 9 novembre, pour donner une décision, ça commence à bien faire. J'en suis enragée, excusez-moi de l'expression, mais vraiment, j'en peux plus de cette justice à deux vitesses. Comment on peut décider avec des gens, un référé en plein procès? On n'a jamais vu ça, c'est inadmissible, il n'y a qu'en Martinique qu'on puisse voir ça. Et quand vous prenez pour qui vous faites un boîte là, c'est pour vous faire sauver le noir oiseau Congo. Le 9 novembre 2016, il est venu. Parce qu'il allait sauver Corbeau pour que Corbeau lui soit parti. Alors moi, je dis un bagage bien simple. Je m'en demande la parole, là où vous parlez, là où vous finissez, il dit ça, je m'en demande la parole. Et puis je dis, yo, pour ça. Ils ont envoyé, pas de problème. Ils ont fait jouer la montre, pas de problème. Je suis toujours là pour me défendre. Le prochain volet est donc fixé au 9 novembre 2016. Voilà ce qui s'est passé donc mercredi au palais de justice de Fort-de-France. Alors, première question. Est-ce que Yann Monplaisir est devenu le premier vice-président lui-même? Parce que j'ai trouvé qu'il entourait énormément le président Marie-Jeanne. À un moment, on n'a pas vu l'image là, puisqu'on a écouté peut-être, mais à un moment, il le tenait carrément dans ses bras pour le protéger. Il donnait de sa personne. Et je n'ai pas vu d'habitude ce rôle qu'on pourrait attribuer à Daniel Marie-Sainte ou des gens proches. Vous avez une information qui traîne Daniel, par là. Daniel Marie-Sainte étant témoin, oui. On l'avait mis dans une salle à côté. Et ce qui fait qu'il n'a pas pu assister à l'audience. Donc, c'est purement fortuite si Daniel Marie-Sainte n'était pas à côté de Marie-Jeanne. D'accord. N'empêche que mon plaisir, lui, se montrait à côté de Marie-Jeanne. Oui, mais c'est... Il a d'ailleurs dit une présence visible. Hein. Voilà. Oui. Non, mais je pense que c'est une démarche qui est politique. Bon, qui me paraît, je dirais, naturelle. D'autant que dans cette affaire, y a les aspects politiques et les aspects juridiques. Bon, sur les aspects juridiques, le délit de favoritisme de prise illégale d'intérêt est un délit extrêmement complexe à établir, parce que notamment sur le caractère intentionnel du délit. Dès lors qu'est écarté l'enrichissement personnel. Ok. Bon. Donc, par conséquent, il y a et puis il y a le surgissement de ces 10 contribuables, dit-on. Non, justement. Alors, 10 contribuables qui sortent. Est-ce que ça vous a surpris? Alors, ça fait 6 ans que le procès roule. Oui. Hein. Et puis voilà, à quelques jours du procès, 10 contribuables se font connaître pour demander à éventuellement. À se porter partie civile. À se porter civile, éventuellement demander à réparation. Voire d'abord, ils disent pas qu'il y a lieu à réparation. Ils disent qu'ils veulent accéder au dossier pour vérifier s'il y a préjudice
Et s'il y a réparation. Mais ils ont commencé par demander au président de Marie-Jeanne de se porter partie civile. Oui, Marie-Jeanne a refusé. A refusé, oui. D'accord. Mais les faits, au moment où la décision devait être prise, il fallait ça. Et pourquoi ils ne se sont pas adressés à l'ancien président de la région ? Oui. Le prédécesseur de Marie-Jeanne. Et puis, y a surtout sur le fait, c'est qui sont ces prétendus contribuables ? On ne les connaît pas, on les a cités, en fait, je ne sais pas. Mais est-ce que ça vous a surpris qu'il y ait des contribuables qui demandent à se porter partie civile ? Ça n'a rien de surprenant. Est-ce que c'est habituel dans... Ça n'a rien de surprenant en soi. Ce qui peut surprendre, là, c'est le seul point sur lequel je rejoins Michel, c'est qu'ils ont tardé à se faire connaître. Puisque l'affaire, comme on dit, est dans les tuyaux depuis 7 ans, j'allais même dire, ouais. 2009. Ouais. Hein ? Bon, on est 2016. Maintenant, ce n'est pas curieux que tout contribuable a le droit de faire cette demande de partie civile. Michel prétend, parce qu'il dit des prétendus contribuables, mais non, ce sont des contribuables. Il prétend qu'on sait qui c'est, moi je ne sais pas qui c'est. Il y a beaucoup de rumeurs qui courent dans ce pays, c'est un pays de rumeurs et de cancans. C'est un sport national. C'est un sport national. Alors certains disent que c'est des gens proches d'Ensemble pour une Martinique Nouvelle, parce que ça leur fait plaisir, ça va de leur thèse, mais il semblerait aussi qu'il y ait des gens proches du Grand Assemblée. Ah, c'est ce qu'on a entendu également. Alors, d'accord. Bon, en fait, la liste, elle est connue par... Oui, elle sera connue par les avocats... Par les avocats. Les avocats d'Alfred Marie-Jeanne. Voilà. Voilà. Ils jugeront, je ne sais pas s'ils peuvent d'ailleurs... Il y jugeront s'il est nécessaire ou non de publier cette liste. Non, mais là n'est pas le problème. Le problème est de savoir si cette constitution de parti civil est recevable ou pas. Voilà. Il faut probablement qu'on explique pourquoi. Oui. Parce qu'il y a quand même un élément qui est important. Et Michel a raison de parler de positionnement politique. Pourquoi il y a une partie civile qui s'invite au repas, au dernier moment ? Tout simplement, probablement que Ensemble pour une Martinique Nouvelle à la tête de la région, ce serait probablement porté partie civile. Mais Alfred Marie-Jeanne ne peut pas être partie civile contre lui-même. Contre lui-même. Donc, le fait qu'Alfred Marie-Jeanne ait gagné l'élection en décembre laissait un temps relativement court pour que les gens qui voulaient porter le fer sur la partie civile puissent le faire. Donc c'est certainement ça. Ce n'est pas une surprise. C'est une surprise pour les gens qui voulaient aller en civil d'avoir perdu. C'est ça, l'idée. Ils ont perdu la région, donc la région et la CTM ne peut pas s'attaquer elle-même. Voilà. Bien sûr. C'est clair. Voilà. Gabriel, en tant qu'institution. Ta lecture, Ziosa ? Lecture sur quelle partie du dossier ? Sur les contribuables ou bien sur le procès Alors, sur le procès, mais aussi sur les contribuables qui se portent par partie civile. Bon, les contribuables, on a suffisamment dit, ceci étant, ça a surpris parce que ça vient de deux contribuables. Mmh. Simplement, c'est que nous ne sommes plus dans des années où le citoyen ne prenait pas d'initiative. Il y en a qui prennent des initiatives qui sont peut-être surprenantes, mais les citoyens commencent à prendre l'habitude de prendre l'initiative. Moi, je veux au-delà juste de ce dossier, c'est qu'il faut peut-être commencer à intégrer dans toutes les affaires publiques ou les affaires de prise d'intérêt, par exemple, il y a des fonds publics qui sont en jeu, il faut peut-être commencer à intégrer que des contribuables peuvent intenter une action en justice à la place des collectivités ou à la place des responsables des collectivités. C'est peut-être une démarche qui va initier quelque chose, donc il faut commencer à prendre cette habitude. Il n'y a pas de raison, ça se passe en métropole, ça se passe souvent en métropole, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas ici. Donc là, ça commence. Évidemment, il y a une lecture qui peut être faite, une certaine lecture là-dessus, mais c'est déjà un premier pas. Le deuxième pas, c'est que... Moi, ce qui est intéressant, c'est l'interprétation de l'arrivée de ces contribuables et les conséquences. Renvoi du procès au 9 novembre. On constate que les partisans d'Alfred Marie-Jeanne sont contrariés par ce renvoi. Pourquoi ils sont contrariés par ce renvoi ? Ça peut jouer en sa faveur ou le contraire ? Pour l'ancien, il n'y a pas le dossier. Il n'y a pas le dossier, c'est ceux qui sont dans le dossier qui peuvent donner une interprétation. Sachant que la finalité de la lecture, c'est le tribunal qui l'aura. Ils sont contrariés parce que, certainement, qu'ils estiment que le procès devait avoir lieu et qu'ils devraient avoir une conclusion qui allait dans leur sens. L'autre partie, elle, l'arrivée des contribuables, renvoie les choses, c'est-à-dire qu'il y a une ouverture quelque part, et il y a peut-être aussi un risque que l'arrivée des contribuables va peut-être imposer une lecture autre du dossier.
Alors, est-ce que cette lecture autre, est-ce que ça va amener des charges plus ou ça va, au contraire, amener moins, plus de décharges? Donc, en fait, c'est le poids de la balance qui est en jeu dans l'histoire. Et c'est là qu'on va voir si le 9 novembre, il y aura un voix, s'il n'y aura pas d'autres éléments de justice qui vont venir, intervenir pour, soit pour les procédures, soit pour d'autres éléments. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'on saura si ou non cette affaire peut aller au bout ou si cette affaire va déboucher sur un rendu qui peut être une jurisprudence ou un rendu qui sera rendu justice, qui pourra entraîner des appels et contre-appels, etc. Mais sans l'arrivée des contribuables, est-ce qu'on pourrait penser, par exemple, que mercredi, ou si ça avait continué mercredi et jeudi, que, par exemple, Marie-Jeanne allait se procès, allait s'arrêter là? Est-ce que ce n'est pas l'arrivée des contribuables qui relance l'affaire, à votre avis? À mon avis, le procès ne serait pas arrêté, voilà, à la décision qui a été... D'accord. Parce que, de toute façon, je pense qu'il aurait été très étonnant que le tribunal prenne une décision jeudi tout de suite. Oui, tout à fait. Il aurait renvoyé sa décision, délibéré, ça c'est clair, et que délibéré arrivant quelque temps plus tard, ça ne serait pas arrivé 8 jours, 10 jours après, peut-être au moins un mois et demi après, et qu'automatiquement, il y aurait appel, qu'on rappelle, ou du parquet, ou des avocats de la partie des prévenus, ou d'autres parties. Voilà. D'accord. Donc c'était une affaire qui était prévue pour durer des mois. Pour durer des mois. Alors, par contre, il y a une question quand même que je me pose. Lorsque j'entends le président, bon, déjà les avocats du président, la manière dont ils ont plaidé au tribunal, c'était assez virulent. Et lorsqu'on entend... C'était le début de la procédure. Ils ont exposé leur lecture de l'arrivée de cette demande de renvoi par les parties civiles. D'accord. C'est pas la plaidoirie. C'est pas finale. La plaidoirie, d'accord, pardon. Est-ce que Alfred Marie-Jeanne, lorsqu'il parle d'un oiseau en parlant du procureur... Un noir oiseau. Est-ce que c'est... il ne risque rien parce qu'en fait, il est député, c'est ça? Non, ou... Le rapport. Bah, n'importe qui peut pas comme ça. Non. Là, s'il avait le statut de député, attendez, le statut de député, si le statut de député devait jouer, pourquoi est-ce qu'il est devant le tribunal? Ouais. D'accord. Il n'y a pas d'immunité parlementaire, là. Donc, moi, disant ça au procureur, je ne risque rien non plus. Non, ou pas député. Non, voilà. Il sort ce propos hors tribunal. Oui. Il sort ce propos hors du tribunal. Il n'est pas dans le tribunal. D'accord. Bon. Et puis, il y a des merles. Michel, sous les propos, c'est un différent. C'est un problème. Vous battez moi. Non, ce qu'il y a, c'est que Alfred Marie-Jeanne a toujours eu son franc-parler. Exactement. Oui. Il a son franc-parler. Mais je pense que ses avocats sont suffisamment compétents pour lui dire, quand même, de temps en temps, de ne pas oublier qu'il est un justiciable comme les autres. Bien. Donc, ça peut... incliné à avoir certaines limites dans les propos. Et puis, dans cette affaire, dès le départ, on tourne autour de l'oiseau. Hein. Oui, Gwynne Parrot. Hein. Le perroquet vert. Hein. Bon, et puis, dans cette affaire, il y a des similitudes. Ouais. Je pense à l'affaire Fanon-Alexandre. C'est une lettre anonyme. Oui. Bon, je pense à cette affaire. C'est aussi quelque chose d'anonyme. C'est un procédé qui est signé. Bien. On va juste. Bon, ok. On va juste. Non. Comprenne qui pourra. Michel est facile. Comprenne qui pourra. Toute affaire où il y a des politiques qui ont été impliqués, je ne parle pas pour la Martinique seulement, toute affaire où les politiques ont été impliqués, le démarrage, c'est toujours un courrier anonyme. Donc il n'y a rien d'original. Une dénonciation, ça s'appelle. Ouais. Non, mais dans cette affaire, le courrier anonyme vient d'un camp. C'est ta lecture. Ouais. Bien. Bien, bien, bien. On est quand même dans cette histoire, dans un schéma qui est un schéma proprement martiniquais. Parce qu'on faisait, Gabriel, de manière très, très légitime, disait que le parti civil venant de contribuables, action... initié par des contribuables, c'est monnaie courante sur le territoire national. Un peu moins ici, donc ça va. Mais dans la théâtralisation de ces actions, on est quand même là, chez nous, dans un cinéma et un cirque extraordinairement propre à la Martinique. Permanent. Et si je peux, moi, apporter mon regard... Le conseil que je donnerais à la fois aux gens qui sont dans le camp de Ensemble pour une Martinique Nouvelle et puis dans l'autre camp, c'est de calmer le jeu, quoi. Je veux dire, ça ne sert à rien. On connaît l'issue du procès, ok? Aujourd'hui,
On sait très bien qu'il n'y a plus d'automaticité entre une condamnation éventuelle et une, un caractère inéligible, et qu'Alfred Marie-Jeanne ne sera pas inéligible, quelle que soit à l'issue sur la partie de condamnation propre. Et ce que les Martiniquais attendent, ce n'est pas un show médiatique, ni de l'un ni de côté de l'autre, c'est qu'on se mette au boulot, quoi. Ok, et si en plus la justice s'y met, c'est-à-dire qu'on remet une sauce pour rallonger les trucs, ça ne sert strictement à rien, quoi. Et ça me rappelle ce qu'on est en train de vivre au niveau national entre Sarkozy, machin. C'est bon, c'est-à-dire que les politiques s'occupent de leur boulot et que les juges s'occupent de leur boulot. Quand les deux se rendent compte que ça aille aussi vite que pour un justiciable classique, quoi. Ça a duré suffisamment longtemps, quoi. On est bouffi avec cette histoire. Et moi, je pense qu'il faut qu'on se mette au boulot, quoi, qu'on fasse autre chose dans ce pays. Il y a quand même d'autres éléments fondamentaux pour qu'on s'occupe de ça, quoi. Et qu'on donne à ça une dimension, dans les deux camps, une dimension qui n'a pas lieu d'être, c'est clair. – Non, je me permets de reprendre la parole pour revenir à la question initiale. Pourquoi cette affaire de contribuables ? C'est précisément c'est dans ce but-là, c'est le but d'allonger les délais. Et en même temps, il y a une campagne qui vise à dire « vous ne faites rien à la collectivité territoriale ». Donc, en fait, on espère tirer de cela, parce que c'est une épée de Damoclès, quand même. – Donc, sera oui, mais la justice continue. Si Marie-Jeanne doit faire un prêt, des emprunts pour la région. – Mais la justice peut décider. La justice peut décider de dire « bon, allons vite, quoi ». Oui. Comme quoi, la justice pouvait très bien décider. Oui. Regardez, Cyril Gmia, c'est pareil. Pourquoi tout ça tend, quoi ?– Ça traîne. – À un moment, il faut arrêter, quoi. – Alors, moi, je dis, on n'a pas de moyens. – Oui, non, mais attendez. Oui, voilà. Bon, allez. – Non, il y a des... – Non plus d'ajouter à la trahiralisation. – Non, il y a manifestement des calculs. – Oui, non, mais il y a des moments... – Il y a des calculs souterrains et obscurs politiciens dans cette affaire. – Mais si personne ne le dit, parce que, attends, c'est quand même notre rôle de le dire, voilà. Parce que oui, les politiques ne le disent pas, les gens de la justice ne le disent pas, c'est aux médias de dire, bon, arrêtez de prendre le citoyen pour un con, quoi. Voilà, c'est ce qu'on fait ce soir. C'est peut-être aussi aux médias de remettre les choses à leur juste place. Mais c'est ce que vous faites ici tous les vendredis. Mais c'est ce qu'on fait, nous. C'est peut-être aussi aux médias. Donc à nous. Donc à nous. D'inviter les lecteurs, les téléspectateurs et les auditeurs à ne pas toujours confondre le monde politique et le monde de la justice. Je dis ça pour mes petits copains ici présents. Mais moi, je ne le confonds pas, parce que j'ai appris sur les bancs des écoles où j'avais passé que la justice dans une société bourgeoise n'est pas séparée des classes supérieures. Oui. Mais Michel, lorsque justice... Voilà. Il ne faut pas avoir cette illusion. Lorsque justice titre. Va-t-on voler au peuple la victoire ? Ça veut dire qu'en fait, si Marie-Jeanne est condamnée, on vole la victoire au peuple ? C'est le but, en tout cas. Ce n'est plus de la justice, c'est le but. Ouais. Ce que je disais, ça veut dire que c'est le but. C'est le but. C'est le but que recherche, ça ne veut pas dire que ça va se passer. Okay. Ça ne veut pas dire que ça va se passer. Et puis comme c'est un journal qui s'appelle Justice... En plus. Oui. Le rédacteur en chef, je rappelle que le rédacteur en chef... Oui. André Aliker, fondateur de ce journal, a été assassiné et qu'à ce jour, on n'a jamais sanctionné ceux qui l'ont assassiné. Est-ce qu'on connaît ceux qui ont... On les connaît. On connaît. D'accord. On les connaît. Bien, alors... Ceux qui commencent malheureusement à avoir prescription. C'est sûr. Oui, il y a prescription, mais c'est... C'est sûr. Mais c'est pour ça. Mais bon, ça. On ne va pas reprendre l'histoire d'André Aliker, on ne va pas reprendre cette histoire-là, on est juste sur une affaire qui n'a pas la même dimension qu'André Aliker. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas eu de sang. Donc, ce n'est pas la peine non plus de mettre des comparatifs, il y en a pas. Bien. Alors, toujours sur justice, je vois un accord pour une convention pluriannuelle. Mm-hmm. Et les pompiers que j'ai reçus ici cette semaine, le syndicat des pompiers, se félicitaient d'avoir signé avec le président Marie-Jeanne une sanctuarisation de 18 millions par an. Et ils sont en tout cas satisfaits de cet accord trouvé avec la région. Je ne sais pas si des accords trouvés avec les différentes mairies vont tenir. Mais en tout cas, ils sont déjà contents sur ça. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, de cette sanctuarisation des 18 millions Non mais ça... Les 100 gagnants. Ouais, j'ai eu le premier. Ils sont contents. Moi, je...
Ils vont regarder cette émission avec beaucoup d'attention. Avec beaucoup d'intérêt. Il a fallu tout ça de temps pour qu'on imagine une convention pluriannuelle pour le financement du SDIS. C'est extraordinaire, ça. Quand on regarde l'évolution de la dotation SDIS, service départemental, quand on regarde l'évolution de la dotation du Conseil général au SDIS depuis 5 ans, ça s'appelle yo-yo. Ça s'appelle yo-yo. La collectivité majeure du financement et du fonctionnement du service d'incendie et de secours faisait yo-yo avec sa dotation. Là, je pense que c'est une avancée. Le fait d'avoir une convention pluriannuelle, c'est une avancée. Ça sanctuarise, donc ça impose aux collectivités une lecture sur, le budget que va recevoir le service départemental. De la CTM, hein, pas des mairies. Là, on parle de la CTM. D'accord, très bien. Beaucoup francophones, beaucoup bizarres. Ils parlent, mais c'est le financement le plus gros. Il est quand même plus important que celui des communes. Oui. Nécessairement. Ouais. Bon. Donc là, il y a déjà une avancée. Cette avancée, cette visibilité va donner à ce service la capacité d'avoir une lecture et un prévisionnel sur ses investissements. Il y a des casernes à construire, il y a du matériel à acheter, du matériel à renouveler, du matériel à rénover, il y a du personnel à former, il y a peut-être du personnel à recruter aussi. Donc à partir du moment où vous avez une garantie de financement sur 2-3 ans, il y a une lecture, vous pouvez établir un certain nombre de plans d'investissement. C'est une chose. La question des communes. Les communes, la plupart des communes aujourd'hui, ont une lecture différente de leur contribution obligatoire. Non pas sur le fait qu'il y a une contribution obligatoire, mais sur le montant, le calcul du montant de leur contribution. Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses à revoir, à mettre en place, à des discussions. Très bien. Mais dès lors que le principal financeur a une garantie, il y a une visibilité, donc les choses vont être beaucoup plus faciles maintenant. Ça va être beaucoup plus facile pour eux. Les communes ont parlé de 3-4 ans pour payer, donc je me suis posé la question. Pour payer quoi ? Ben pour payer ce qu'ils doivent. Les arriérés. Les arriérés. Oui. Alors est-ce que c'est un moyen de refiler le bébé au prochain maire, quoi ? Non mais le prochain maire c'est 2020. C'est 2020. C'est dans 4 ans. Il y en a 4 ans. D'accord ? Bon. Un. Deux. Il y a peut-être une approche d'investissement du service de secours qui est peut-être à vraiment regarder de près et à remettre à plat. Est-ce qu'il y a nécessité, et je crois qu'il y a, c'est un engagement, de faire les états généraux de la couverture du secours d'incendie à Martinique ? Nous avons une tour pas loin. Nous avons les outils nécessaires à porter rapidement secours au cas où. Est-ce que... Pour aller dans ton sens, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose quand même. À côté de la tour, fort souvent, nous avons deux grands paquebots avec pas moins de 5000 personnes par paquebot. Tout à fait. Vous imaginez, ça fait plus de 10 000 personnes. Tout à fait. Mais je ne voulais pas être alarmiste, c'était simplement... Il y a la prévision, il y a la prévention à faire, et puis il y a les moyens à mettre. Ce que dit Gabriel est juste. Il faut élargir le problème à la couverture des risques. Bon, ce qu'a voulu faire la CTM, en l'occurrence, c'est d'affirmer que, au-delà même de la question du SDIS, c'est la couverture du risque. Bon, mais là, je regrette, c'est qu'on n'a pas mis, le focus aussi sur un autre partenaire qui s'appelle l'État. La question de la sécurité de manière générale, c'est l'État, c'est une prérogative régalienne. Donc, la deuxième question que je me pose... Sécurité publique, ouais. La deuxième question que je me pose, s'il est vrai qu'il y avait des difficultés pour le paiement du fonctionnement, c'est-à-dire principalement les salaires, les problèmes d'investissement et de retard de paiement ne datent pas de janvier-février 2016. Bon. Autrement dit... que la question du meilleur fonctionnement de ce service se pose, c'est vrai, mais le meilleur fonctionnement de ce service se pose déjà depuis plusieurs années. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on entend dire que les voitures sont en panne, que les casernes sont... On a même dit à une époque, je me rappelle, Albéric Marcelin avait fait une conférence à laquelle j'avais assisté, qui s'intéresse beaucoup à la question du risque, il dit que les premiers à être cloués
qui seraient cloués en cas de tremblement de terre, qui ne vont pas se déplacer, ce sont les pompiers. Donc c'est une vraie question. Donc ça, c'est une question qui ressort de l'État. Donc je crois qu'il faut recentrer là. Alors, la collectivité ne peut pas se désintéresser, bien sûr, de la sécurité des Martiniquais, elle doit faire un effort. Mais ça se passe à un moment, il faut quand même le rappeler, ce n'est pas pour sauver les maires qui ne font pas leur devoir. Mais enfin, nous n'oublions pas que cette année, le bloc communal va percevoir 56% de dotation de l'État à moins. Oui. Il y a quand même un élément de base qui est celui de l'évolution, j'allais dire, du budget. Au départ, les pompiers sont des gens qui doivent intervenir pour éteindre des incendies. OK ? Et l'évolution, donc, on comptait sur quelques pompiers professionnels et sur une majorité de pompiers volontaires. Le glissement progressif qui consiste à dire, bon, finalement, les pompiers, comme ils n'ont pas grand-chose à faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de feux, il y a moins en moins de feux, on va leur faire faire autre chose. C'est ça. Et on va les passer en auxiliaires des hôpitaux. On les transforme en ambulanciers. C'est ça, aujourd'hui. 80% des transports entre un lieu d'accident et... Ce n'est pas le SAMU, hein. ce sont les pompiers. Donc, comme on ne pouvait pas mettre dans ces véhicules sanitaires 100% de gens volontaires, et que là, c'est un autre boulot, éteindre un feu, on peut être volontaire, mais réanimer un type ou le maintenir en vie, il vaut mieux avoir un tout petit peu de formation. Donc, on est passé lentement de bénévolat à professionnalisation. Mais professionnalisation, il faut payer. Ce n'était pas ça le but du jeu au départ. Et ce n'était même pas ça, l'architecture financière. Or, qui a décidé du glissement progressif ? Ben, les hôpitaux. Ce sont les maires. Ce sont les maires qui ont dit, bon, sur un plan électoral, c'est assez génial, je crée de l'emploi qui est nécessaire au fonctionnement de la collectivité et je demande à l'État de m'aider un petit peu. Et puis l'État a dit, mais les mecs, ce n'est pas votre job, ça. A priori, ce n'est pas votre job. Mais l'État, les maires ont dit, mais vous ne faites pas votre job. Les gens là, sur le bord de la route, qui ont un accident, si moi je n'envoie pas les pompiers du Robert, eh ben, ils vont mourir. Parce que vous, le temps que vous envoyez des gens des hôpitaux, ils vont mourir. Voilà, cette espèce de dialogue de sourds qui a continué pendant des années a provoqué cette catastrophe-là. Or, donc Michel a raison, il faut remettre les gens sur la table en disant, bon, nous, monsieur le représentant de l'État, c'est vous qui gérez les hôpitaux, je vous amène du client, donc vous me payez. Vous me payez ? Puisque le job d'éteindre le feu, c'est 5% de mon boulot, et 95%, c'est de vous amener des clients, donc vous payez. Donc c'est pour ça qu'il faut remettre les gens sur la table et ne plus laisser... Ça me rappelle 2009. 2009, ça y est, autour de la table, il y avait le préfet, les employeurs et les syndicats. Au bout d'un moment, le préfet a dit, bon les mecs, vous êtes super sympas, je vais enlever ma chaise, je vais vous mettre les uns face des autres, et puis je serai arbitre. Et puis les syndicats ont oublié de dire que dans leur plateforme de revendication, il y avait des trucs pour l'État. Ah ben l'État, c'est au titre de la discussion. Notamment la question des retraites. Ben voilà, entre autres. Est-ce que ce problème des pompiers inhérent seulement à la Martinique, et ça se passe comme ça aussi en France ? Mais c'est pareil. C'est le même système en France. C'est pareil en France. C'est le même système. Alors, Eddy a rappelé un historique. C'est d'abord le feu, et ensuite les choses ont glissé vers le secours. Oui, historiquement, sapeurs-pompiers. Il n'y avait qu'un seul corps de pompiers professionnels en France, à Paris, qui étaient les sapeurs-pompiers de Paris. Après, il y avait les sapeurs-pompiers de Paris et les marins-pompiers de Marseille. Ce sont les deux corps historiques professionnels, dépendants de l'armée. Ce sont des militaires. Ici, il y a toujours une caserne de pompiers partout. Il y avait des casernes de pompiers dans toutes les communes. Il y avait toujours un hangar à voiture de pompiers dans toutes les communes. Parce que ce n'était pas un service départemental à la base. Et puis, quand l'État, il a fallu un petit peu rationaliser tout ça, parce que tout le monde, en réalité, a plus une règle à calcul dans son crâne qu'un véritable sens du service public, on a décidé de rationaliser les choses en mettant un service départemental. Et à ce moment-là, tout est centralisé au niveau départemental pour un seul service. D'où l'augmentation des sapeurs professionnels en Martinique. Et la réaffection des casernes dans les communes. Du moins,
l'incapacité de maintenir un service de pompe, de secours de l'incendie dans les communes avec des... Il y a des volontaires, il y a toujours des volontaires. Mais les volontaires doivent être formés avec des outils performants. Mmh. Aujourd'hui, quand vous avez un problème, je vais prendre le cas de Macouba, quels sont les pompiers qui montent assez souvent à Macouba? Pas forcément de Trinité, parce qu'ils sont déjà occupés quelque part, c'est celui qui casse-pilote, par exemple. Et ça fait de la distance. Et dans le sud, je vous dis la même chose. Robert Saint-Anne. Aux yeux du gourmand qui vont porter secours à Petit-Bourg. Voilà. Là, quand ils m'ont dit ça. Oui. Donc, ça veut dire que vous avez quelque chose qui est incohérent, quelque part. Incohérent parce que la carte de secours n'est pas performante. Mmh. Elle n'est pas performante. Pourquoi? Parce qu'on raisonne comptable. Ah non, ça, si on fait ça là, ça va coûter trop d'argent, il faut rationaliser par là. Mmh. Ben, force de rationaliser, ben, on arrive que eh ben, on ne pourra pas secourir, on ne pourra pas attendre les incendies, on ne pourra pas aller sortir les noyés de l'eau ou de la mer. En fait, ce que Gabriel est en train de nous dire, mais bon, je ne vais pas lui laisser la seule responsabilité, je vais traduire, et il va me dire non, surtout pas, c'est pas ce que je veux dire, c'est que les pompiers, au lieu de bloquer seulement l'autoroute et le siège de la CTM, il pourrait de temps en temps bloquer la préfecture. Voilà. Là, c'est Eddy Marageau qui parle. Seul. Non, mais il assume, c'est ça. Seul. C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on se pose la question. Vous vous posez légitimement la question. Est-ce que la question est, de ce problème a été posé au niveau où il aurait dû être posé? D'accord. Parce que je reviens à l'idée, c'est que nous sommes quand même. L'historique a montré que c'est un problème de sécurité générale, et en plus dans un pays avec des risques, une multiplicité de risques naturels, et que par conséquent, la question revient à l'État. – D'accord. Daniel ?– Oui, cela a déjà été dit, mais je ne peux m'empêcher de répéter ce que j'ai déjà dit ici. SDIS, ça veut dire Service départemental d'incendie et de secours. Et de secours. Ça a été dit, effectivement, 95% du travail des pompiers, ce sont les secours. Mmh. Les secours aux blessés. Bien sûr. Qu'il s'agisse de blessés, j'allais dire, de nature, d'accidents naturels, voilà ce que je voulais dire, un effondrement de toiture ou n'importe quoi, ou d'accidents de la route. Ouais. Ouais, c'est bien ce qu'on a dit, effectivement. Bien sûr. Bien. Les accidents de la route, ce n'est pas la majorité des transports, hein, parce que les accidents de la route, c'est peanuts par rapport à l'ensemble des prises en charge. L'ensemble des prises en charge, médicales, notamment. Absolument. Etc. Deuxième chose, là ça a été dit aussi par Michel et je crois Eddy aussi, il s'agit pour les pompiers de ce qui se passe pour beaucoup de corps de métier, ou beaucoup d'activités ayant trait à la sécurité publique. On va dire ça comme ça. Au service public. Au service public, ouais. Voilà, au service public. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs organismes en charge, ou qui ne sont justement pas en charge. Il y a l'État, il y avait le département, donc la CTM, il y a les communes. Tout cela fait un ensemble de dispositions, de dispositifs même, qui ne sont pas forcément cohérents. Qu'il s'agit de mettre en cohérence. Et c'est là que le bas blesse. Et des fois, tout le monde se renvoie la balle. Hein. Tout le monde se renvoie la balle. Et on peut se demander s'il ne faudrait pas, là encore, comme dans d'autres domaines, une seule autorité organisatrice. Très bien. Tout à fait. Alors, Nestor Bounouazéo qui va chez le pape pour lui porter du Worm Saint-James. Pardon. C'est bien ça. C'est beaucoup de pub, non? C'est folklorique. Hein, c'est beaucoup de pub. Non, mais c'est vrai que j'ai vu ça. Je croyais que c'était une émission, on essayait d'un petit peu d'aller plus haut, et lui, quand même, nous ramène. Non, désolé. Premier degré. Non, j'essaie de suivre le chemin qu'a tracé Gérard. Il faut parler de l'international, et là, nous sommes en Italie avec le pape. Nous sommes pas à Sainte-Marie, nous sommes en Italie. Et tu nous fais une lecture première, brutale, d'une photo. Ceci étant, bouteille, mon papa, il y a mon panne impression, il y a le monde qui peut acheter. Ah oui, oui, oui. C'est Saint-James qui a fourni. Essayons quand même de sortir de France du premier réflexe. Voilà. C'est pas Saint-James 6 ans. Alors, est-ce que je peux quand même défendre. C'est le seul député anti-Martinique qui a été jusque-là. Je ne vais pas défendre Nuno Nestor Azzero, il est suffisamment grand pour faire ça. Mais je vais défendre Mano quand même. Puisque nous ne pouvons pas lui faire le procès d'évoquer
ce fait d'actualité. On vient de faire publicité. Oui, je viens effectivement de constater que tu as cité la marque. Oui. Mais il faut quand même rappeler que tous les médias, en particulier France Anti, oui, notre grand journal, a fait un article sur le fait que Bruno Nestor Azéro a été voir le pape. Oui. Donc, on a légitimement ici le droit d'évoquer un sujet traité par tous les autres médias. Bon, Eddie, arrête ton hypocrisie. Tu devrais me remercier. Mais j'ai déjà dit merci en amour. Puisque Gabriel a fait une pleine page, enfin pas Gabriel, le journal dans lequel il travaille, a fait une pleine page sur Nestor Azéro. Et pas qu'une. Hein. On le suit, son représentant. Laisse-moi finir. Non, son représentant. Change tes lunettes, c'est pas une pleine page, c'est une moitié de ça. Non, mais bon, c'est pas grave. Allez, une demi-page, c'est pas mal. Non, mais il faut rendre hommage. Et je tiens à le faire. Il faut rendre hommage aux correspondants de France Antilles dans les différentes zones de la Martinique, oui, sans lesquels nous ne pourrions pas avoir ce type d'informations. Tout à fait. Voilà. D'autant que le titre a son importance. Ben oui. Le pape savait où situer la Martinique. C'est normal. C'est un pape argentin, voilà. Il connaît les Amériques. Le pape François savait où situer la Martinique. C'est important. La Martinique est connue. Je pense qu'il a été pré-briefé d'abord. Et ça a duré une heure et demie. Ça n'a pas duré 5 minutes. Il faut quand même rappeler qu'il n'était pas tout seul. Il n'aurait pas tenu une heure et demie face au pape. J'ai vu une photo, il y avait au moins une centaine de personnes. Non, pas une centaine. T'as mal interprété. On va remettre les choses plutôt dans le bon niveau. C'était une délégation d'une trentaine de personnes. Oui. Alors, mais surtout, c'est pas des socialistes. Je rappelle que ce sont des socialistes. Non. Ah bon? C'est pas des socialistes? Les poissons roses? Les poissons roses. Il n'y a pas que des socialistes. Oui, mais socialement. Ce sont des gens qui sont de gauche et qui sont. Ah bon? Oui, d'accord. Alors, justement, ce ne sont pas les républicains. C'est ce que je voulais surtout souligner, c'est que ce qui est intéressant dans la visite du pape, c'est que ce pape-là, oui, c'est un pape qui condamne très fortement les inégalités sociales dans le monde et qui incite, au contraire de ses prédécesseurs, les chrétiens à s'engager dans la vie publique. Elle n'a pas être de spectateur. C'est un pape communiste, quoi. Voilà. Il n'a pas sa carte. Il dénonce la finance. Il dénonce avec une grande. J'adore. Bon, j'adore. Alors, moi, ce que je souhaite. Quand le mec a été élu, maintenant le contraire. Oui, c'est vrai. Bon. Jésuite, maman. La preuve, c'est que la grande presse américaine le traite de communiste. Oui. Même le New York Times, qui est réputé à gauche. Attention, il faut quand même rappeler, parce que ici, il faut qu'on dise tout. Il faut quand même rappeler que ce pape a été extrêmement conciliant avec la dictature en place à l'époque. En Argentine. Et quand il a été élu, effectivement, la presse de gauche l'a attaqué en disant, notamment la presse sud-américaine, en disant attention, ce type n'a pas condamné Videla, le dictateur emblématique de l'Argentine de cette époque. Mais quand ils ont vu que les postures radicalement progressistes du pape prenaient le dessus, tout le monde a changé. C'est la presse de droite qui maintenant le traite de pape. J'espère que l'Esprit Saint va habiter Bruno Nestor Azéro et qu'il va adopter sur les sujets martiniquais une attitude aussi radicale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer. Non, mais rappelez-vous simplement, comme dirait Eddy, que Mgr Macaire a béni Camille Chauvet. Et là, Bruno fait plus fort. Il a été en Italie, les gars. Il faut lui reconnaître ça quand même. Ce qui est intéressant, c'est que, au-delà de la boutade et de la rigolade, ce qui est intéressant, c'est que, il y a la posture du pape, et dans l'historique de cette rencontre, c'est le pape qui a demandé à rencontrer cette association. C'est un groupe de gens qui fait une association qui s'appelle le Poisson Rose, qui sont de gauche et qui sont chrétiens. Il a justement les rencontrés parce que les questions effectivement sur la société, d'engagement, de l'engagement chrétien dans la politique, c'est ça qu'il voulait discuter avec eux. Et l'échange a duré une heure et demie. J'ai interrogé rapidement, mais j'imagine que eux ils vont sortir en compte rendu de leur audience papale, parce que quand on regarde ce qu'il a dit
notamment en Amérique latine, ce qu'il a dit précédemment. Et l'entreprise que le pape a initiée dès son arrivée au Vatican sur le fonctionnement du Vatican, la Curie. Donc un peu, ça s'appelle le groupe, c'est le groupe des cardinaux, c'est la structure, c'est le gouvernement du Vatican. Quand il a décidé d'entreprendre ça et de nettoyer, de mettre tout ça à jour, il ne s'est pas appuyé sur l'interne, il s'appuyait sur l'externe, sur des évêques et cardinaux qui n'étaient pas dans la Curie. Et ce qui a contrarié beaucoup de monde à l'intérieur. Donc il y a chez lui une approche très progressiste, qu'on peut dire très progressiste du fonctionnement de sa mission, de son ministère, comme diraient les catholiques, qui pose problème aux conservateurs, qui interpelle tous les progressistes et les non-chrétiens, de la mesure où en plus il remet en place, il reparle de quelque chose qui interpelle tout le monde, c'est le partage de l'humanité et la tolérance. Ouais, valeur en hausse. Il faut quand même rappeler que le pape s'est fendu d'un communiqué dévastateur sur Donald Trump. Tout à fait. Oui. Candidat républicain aux élections présidentielles américaines, ce qui est à mon avis, c'est pas ce qui va empêcher Trump de. En disant qu'il n'était pas chrétien. Voilà. Donc ça, c'est quand même fort. Mais surtout, comme vous le savez, l'Oscar du meilleur film a été décerné à un film américain qui s'appelle Spotlight et qui dénonce les crimes de pédophilie dans l'église à Boston, Boston qui est le bastion catholique américain, notamment les familles Kennedy, etc. Et le pape a apporté de manière très subtile son soutien à Spotlight. Donc ce pape-là, n'en déplaise à Michel, est devenu un pape rouge. Il faut faire attention, Michel. Hein. Non, mais contrairement. Alors, je vais t'allier aux justices régulièrement. Nous suivons avec attention la démarche du pape, parce que sur beaucoup de points. Vous n'allez pas basculer, les mecs. Ils ont déjà commencé. Il a déjà commencé à basculer, il peut continuer. Donc, Michel, je sens que la conversion est proche. Non, au contraire, c'est l'inverse. C'est le pape qui va être converti. C'est l'inverse, exactement. Le pape est en train de vivre les contradictions du monde actuel et se rend compte que précisément le système capitaliste est condamné. Ouais. C'est tout. C'est lui qui devient communiste. J'espère que nous allons retenir cette formule définitivement. Le pape est devenu communiste. Ça veut dire que les communistes ont un pape dorénavant. Bien. Alors, qu'est-ce que vous pensez de notre ministre du Travail qui tombe dans un baignoire? Semble-t-il. Écoutez là. C'est ça, il dit. Ah bon, pas ça, mais moi, dis ça. Mais attends, j'ai entendu dire qu'elle avait eu un malaise. Et que alors, sa tête avait hanté. Commencé par dire ça. Et ensuite, on a parlé de la baignoire. Bon, ben ça arrive, hein. Il faut rendre à César ce qui est à César. Lequel? Le pardon. Tout court, est fini. Non, mais là. Tu nous as lancé là. Tu nous as lancé. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne comprennent pas grand chose de ce qui vient de se passer, Gabriel Gallion faisait allusion à une expression latine que je vous laisserai redécouvrir. Donc, je vous donne la piste. C'est dans une interview réalisée par Gabriel Gallion dans le journal de samedi dernier. Donc, donnons la date. Samedi 27. 27 février. Il faisait une interview d'Alfred Marie-Jeanne. Alors, revenons à notre propos. Et Marie-Jeanne a déclaré quand même que, à propos de la désignation d'un héritier, il n'en désigne pas parce qu'il ne veut pas être victime du tout quoque miphili. Alors, super. Ça veut dire. C'est du latin ou de l'espagnol? C'est du latin. Vous voyez que le président de la CTM a des lettres. Oui. Oui. Alors, reprenons plus lentement pour que tout le monde comprenne bien. Tout coucoué, méphili. Non, toi aussi. Le méphili, le mi n'existe pas en latin. C'est tout croqué, fili. Toi aussi, mon fils. Exact. En fait, c'est la phrase de César à Brutus quand Brutus est venu lui donner une grâce au moment de son assassinat. Toi aussi, mon fils. Il était professeur de maths, notre président de CTM. Oui, professeur de maths. Professeur de maths. D'accord. Mais il a été. Alfred Magel a fait des séchages chers, donc. Hein. Oh,
Voilà. Bon, c'est une bonne transition pour passer au César. C'est une raison pour dire. C'est pour ça qu'il veut le faire. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai qu'il veut cultiver le tueur. On est parti de César. On est parti de César. Oui, oui, oui. Parlons pas de César. On est parti de César. Le seul à avoir remis les choses en place, c'est François Hollande. François Hollande a dit, non, il ne s'agit pas de malaise, il s'agit d'un accident domestique. Oui. C'est lui le premier. Et effectivement, quand ils ont été vérifiés, effectivement, c'est un accident domestique. Mais bon. Elle a glissé, quoi. Vous connaissez, elle a glissé, vous connaissez les tendances machistes des gens de chez les Républicains qui ont tout de suite voulu... porter la stockade à un être humain qui avait eu un petit accident domestique, ça arrive à tout le monde. Ce qui s'appelle instrumentaliser un fait divers. Mais cependant, on dirait que cette loi semble prendre une direction un peu mystérieuse. Hein. Alors tous les syndicats sont vent debout, non, c'est à la fin du mois. Pas tous les syndicats. Malheureusement, les gens comme Valls et El Khomri et François Hollande et Macron, ce sont des politiques très fins. L'idée, c'est quoi ? C'était quoi ? C'était de dire, si on y va, si on y va sans concertation, sans même avoir concerté, on n'aura pas l'agréable surprise de voir qu'il n'y a pas de front unitaire chez les syndicalistes. Mmh. Et qu'est-ce qui s'est passé là, il y a quelques heures ? C'est qu'ils ont fait une concertation. Et la notion même de concertation rend les choses extrêmement compliquées pour les syndicats. Donc, sur 12 syndicats, il y en a 7 qui ont dit « on ne veut pas du texte et vous le retirez ». Et il y en a 5, et les 5 autres ont qui ont dit « ah ben oui, on demande juste des améliorations du texte ». Ah ben, c'est fini, c'est cuit. À partir du moment où il y a 5 syndicats qui disent « on veut amélioration », le texte va passer. Et vous allez voir. J'adore cette lecture. Ben, elle est juste, mais je l'adore. Quelle est la tienne ? En réalité… Il faut regarder quels sont les syndicats qui refusent et quels sont les syndicats qui négocient. Oui. C'est classique. Ceux qui refusent, c'est toujours les mêmes. En tête, la CGT, ça, bien évidemment, FO. Ça, c'est facile. Mais non, mais non. C'est une analyse. Et essayons de rester sur le fait. Tu as les syndicats les plus importants, les salariés, qui, eux, ne veulent pas entendre parler de ce texte. Voilà, FO, bien. CGT. Ouais. D'accord ? Ces syndicats-là... Il y a une loi qui s'appelle une loi qui a été votée il y a 5 ans, qui donne aujourd'hui le principe de la représentativité syndicale dans l'entreprise, dans le monde du travail. Ces syndicats-là sont les principaux, les plus représentatifs. Oui. Non. La CFDT, autre syndicat représentatif, à Barbie, on va pas finir par aller, calmez-vous. Oui, la CFDT, elle parle de discussion et d'amélioration. CFE-CGC, qui sont les syndicats de cadre, mais qui sont en importance représentés dans une catégorie, eux sont sur une autre démarche. Pour autant, on va s'apercevoir que parmi les syndicats, il y a déjà deux dates fixées pour appel à manifester. Mm-hmm. Une première date qui est le 9 mars. Oui. Et le 31. Et parmi les syndicats signataires, on va s'apercevoir que la date du 31 mars n'est pas rejetée par les syndicats qui sont en concert, qui veulent bien discuter avec le gouvernement, puisque si la date du 31 mars existe, c'est qu'on attend les résultats des discussions avec le gouvernement. Et parmi ces syndicats qui ne rejettent pas le 31 mars, ils n'ont pas signé l'appel le 31 mars, mais ils le disent, on pourra les rejoindre, il y a la CFDT. Non, mais ils ont déjà gagné, le gouvernement a déjà gagné. Non. Puisque, attendez, le gouvernement a déjà gagné. Sur, non mais attendez, moi je ne suis pas favorable, mais attendez, je ne suis pas favorable au projet de loi. Je parle tactique politique. Si le gouvernement avait continué dans son entêtement à aller sans concertation, passer en force, tout le monde aurait dit non. Et il n'y aurait eu qu'une seule date de manifestation. Là, il y a déjà deux dates de manifestation, c'est quand même un peu bizarre, ok ? Laissez-moi finir. Il y a deux dates de manifestation. Il y en avait une au départ. Au départ, il n'y en avait qu'une seule. Il y en a deux maintenant. Okay ? Et chacun des groupes de syndicats a une position différente sur le texte. Ça, tout ça, c'est objectif, on est d'accord ? Oui. Eh bien, oui, ça n'existait pas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça n'existait pas il y a 3 jours. Il y a 3 jours, ça n'existait pas. Il y a 3 jours, le gouvernement a dit... La date du 9 mars, c'est pas 3 jours. Non. Ce qui n'existait pas, c'est les deux manifestations et les deux groupes. Il y a 3 jours, ça n'existe pas. Donc, moi, ce que je suis en train de vous dire, ces gens au gouvernement, ils sont pas si cons que ça, tactiquement et politiquement. Personne ne les a jamais... Non, mais on a dit... Non, je parle de l'analyse qui est de dire que tu as dit, ce gouvernement est en train de se planter. Cette loi... Non. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Élargissons le débat. La France est un pays, et tout le monde ici, à mon avis, est d'accord sur ça.
Là où on n'est pas d'accord, où on ne partage pas une opinion centrale, on va dire ça comme ça, c'est sur les moyens de résoudre cette problématique. Quelle est la problématique ? La France est un pays qui est vieux, dans tous les sens du terme. Vieux. Aujourd'hui, vous voulez construire un truc de 20 mètres carrés sur votre propriété, il faut un permis de construire. C'est débile. On est dans un pays débilement vieux. On veut simplement refaire son mur. Mais non, on est vieux. Attendez, je vais revenir. Non, je vais revenir. On n'est pas du tout sur attendez. Non, oui, on est sur la même chose. Mais, on est sur la même chose. Ah, mais attends, ne me dis pas ouais. Non. Tu vas me dire que les modernes, c'est ceux qui veulent découvrir. Mais non. Et les autres, c'est des ringards. Ce n'est pas ce que je veux dire. Non, vous empêchez de parler. Mais non, vous êtes caricaturaux, les mecs. Dans cette émission, non, dans cette émission, nous avons un savoir-faire et un savoir-vivre. Continue. Alors, laissez-moi continuer. Ce pays est vieux et dans plein de domaines, notamment dans le domaine du travail. Okay ? Alors, il y a des choses qu'il ne faut pas toucher, là, je suis d'accord avec eux, et il y a des choses qu'il faut faire évoluer. Okay ? Donc, on ne peut pas dire, et c'est là la vraie différence, on ne peut pas dire qu'il y a des domaines qu'on ne doit pas toucher. On doit toucher tous les domaines. Par contre, à l'intérieur d'un domaine, il y a peut-être des droits acquis qu'il ne faut pas toucher, je suis d'accord. Mais on ne peut pas avoir, comme la CGT, une espèce de positionnement dogmatique dès le départ en disant, messieurs, en matière de travail, on ne touche à rien. Non, la CGT ne peut pas dire ça et n'a pas le droit de dire ça. Pour une raison simple, c'est qu'elle-même, et c'est ça qui est terrible, elle-même, au quotidien, le pratique. Okay, vous savez bien comme moi, et Michel en convient, dans un certain nombre de pratiques syndicales, il y a de vrais scandales. Okay, donc la CGT ne peut pas avoir, je prends la CGT mais il y en a d'autres, ne peut pas avoir une espèce de diktat idéologique en disant attention, sur le travail on ne touche à rien, et puis se faire condamner régulièrement pour manquement au code du travail. Voilà la réalité, parce qu'ici on dit tout. Non, on dit tout, mais il n'y a pas que la CGT. Oh. La CFDT est condamnée, FO est condamnée, l'UNSA est condamnée régulièrement. Donc un syndicat ne peut pas à la fois dire « Messieurs, je respecte le code du travail, on ne touche pas au code du travail, et puis pourquoi foutre les vagabondages dans l'autre bagaille ?» Bon, moi je voudrais recentrer les débats, parce que je ne suis pas là pour sonder les entrailles du gouvernement, de savoir s'ils sont bien tactiquement ou stratégiquement. Ce qui m'intéresse, c'est le contenu de cette réforme et les raisons profondes qui font qu'il y a près de 1 million de Français, à partir d'une initiative, celle-là, en dehors des syndicats, qui ont signé une pétition contre cette réforme du travail. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les deux dates en question, les deux manifestations qui ont été décidées, l'une a été décidée par les syndicats d'étudiants et de lycéens. Donc, les syndicats de salariés n'ont pas voulu chapeauter cette initiative pour laisser les jeunes exprimer leurs sentiments concernant la précarité. Parce que les jeunes se battent sur quel mot d'ordre ? C'est que cette réforme du travail va accroître la précarité qui frappe les couches de jeunes et de jeunes salariés. C'est-à-dire que les gens passent 10 ans dans des CDD. Avant d'entrer véritablement dans le monde du travail aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est normal ? Et puis, deuxièmement, ils soutiennent le 9. Ils soutiennent le 9. Les syndicats. Et je parie que nos camarades de la CGT seront dans la rue avec les jeunes. Bien. Bon. Et puis, troisièmement, le gouvernement, le fait essentiel, au-delà de la chute de Mme El-Khomri dans sa baignoire, c'est que le gouvernement a senti la colère du peuple français, des salariés français, et il a opéré un prudent recul, et il essaie de manœuvrer, et c'est vrai, en essayant d'obtenir la caution de certains syndicats réformistes, comme la CFDT, comme la CFE-CGC. Mais c'est voué à l'échec, parce que je prends mon pas. La crainte de ce gouvernement, c'est qu'il se passe ce qui s'est passé pour le CPE, avec notamment Villepin, que ça dépasse, que la protestation des jeunes dépasse le monde des salariés qui sont encartés dans les syndicats. Même si, comme pour le CPE, je m'en souviens, néanmoins, les syndicats, les organisations politiques étaient avec eux parce que les jeunes manifestent, mais ils ont besoin aussi du soutien des organisations. – Daniel. – Je commence par la fin. – Oui. Michel parle de syndicats réformistes et dans sa bouche, c'est un mot péjoratif. Tout à fait.
Être réformiste n'est pas forcément péjoratif. Hein? Bon, ça ne veut pas dire accepter n'importe quelle réforme, n'importe comment. Reculade du gouvernement. À mon avis, c'est plus machiavélique que ça. Dans un premier temps, le gouvernement, Madame El Khomri, mais surtout Manuel Valls, dans un premier temps, le gouvernement a laissé croire qu'il passerait en force. Mmh. 49-3. Il a même parlé de ce fameux article 49-3 qui permet de faire passer un texte sans débat au Parlement. Mmh. Surtout sans vote. Surtout sans vote, oui. Alors, merci. Donc, maintenant, tout le monde parle de reculade. Et en fait, peut-être que c'est une façon de gouverner, ça ne serait pas forcément la mienne. On commence par poser un principe inaliénable, et puis ensuite on dit on va se concerter. Mmh. Bon, on est dans la phase d'ouverture de concertation. Et on avait lu le rapport de force. Mais, de notre côté, le gouvernement, peut-être que ce n'était pas le but recherché, est en train de réussir ce qui n'était pas possible il y a encore une semaine, ce que j'appelle le réveil syndical, et pour ne pas dire la... comment peut-on dire le regroupement des sensibilités syndicales. Le regroupement des sensibilités syndicales. Mettre déjà autour d'une même table plusieurs syndicats aussi opposés qu'ils le sont, eh bien, c'est déjà une victoire pour le camp syndical. Et donc, forcément, d'une certaine façon, pour le gouvernement. C'est pourquoi l'histoire de reculade, je ne suis pas sûr du tout. Je pense qu'ils sont plus machiavéliques que ça. – Bien, ou alors machiavéliques, mais dit fin tacticien. – Oui, dit fin tacticien. – Gabriel, c'est aussi pour qu'on passe à autre chose rapidement. – Deux choses. La première, c'est que les syndicats ont pris le relais des politiques. – Oui. – Les premiers à être montés au créneau pour pouvoir dire stop, non à ce texte, qui est un projet. En fait, on a eu les grandes lignes, mais personne ne l'avait vraiment eu en main parce qu'il était passé au Conseil d'État. Ça a été les politiques. On appelle les frondeurs au Parti Socialiste, ça perd le front de gauche, ça s'appelle tout ça. Les syndicats ont brillé là-dessus, et aujourd'hui, ce texte prend une dimension au point que, initialement prévu pour l'examiner la semaine prochaine, il est reporté de 2 semaines au Conseil des ministres. Le temps de la concertation. Bon. Ou le temps de l'enterrement, mais bon. Okay. Non, je pense que ce texte va quand même arriver sur le bureau de l'Assemblée nationale. Mais la question n'est pas quand il va arriver, c'est qu'est-ce qu'il y aura dedans. Sur quel élément y aura-t-il des modifications Sur quel élément ce texte qui aujourd'hui est rejeté par l'ensemble des mouvements de gauche et des syndicats est accepté par le MEDEF et la droite? À quel moment ce texte va changer son curseur et va plus concilier des votes de gauche qui aujourd'hui il a de votes de droite acquis? Parce qu'en réalité, le gouvernement, il a compris qu'il ne va pas encore repasser le 49-3. – Il peut pas, d'ailleurs, légalement. – Oui, là, il y a un souci. Donc, il se dit, bon, il faut qu'on fasse autre chose. Il faut éviter le vote négatif du bloc de gauche, tant au Parti Socialiste, au Parti au Groupe Socialiste que les autres, qui votera non, votera contre le texte. Donc, il faut essayer de grappiller des votes positifs. Pour grappiller des votes positifs de gauche, ben, il faut donner des gages. Il faut donner des gages, c'est-à-dire qu'il faut revoir un certain nombre de dispositifs annoncés, que ce soit sur la limitation des indemnités de licenciement, que ce soit sur le référendum sur les entreprises, etc., etc. Donc il faut donner des gages. Donc il faut redonner au texte une lisibilité, une acceptabilité par quelques élus de gauche pour qu'ils soient adoptés. Parce que le seul endroit où ce texte va être adapté, c'est l'Assemblée nationale, au Sénat. Si le texte en état au scénario, il le vote, la majorité de droite du Sénat n'est pas une majorité qui obéit systématiquement aux jonctions, au positionnement, au coup de menton des députés de droite. D'accord ? Donc il peut avoir ce texte, il sera certainement proposé sur le principe de la procédure d'urgence, c'est-à-dire qu'il y aura une lecture dans chacune des deux assemblées, au Sénat et à l'Assemblée nationale, commission paritaire, pour aller le plus vite possible. Mais compte tenu aujourd'hui de ce qui se passe, je pense qu'à un moment, le gouvernement va peut-être comprendre qu'il faut un petit peu ouvrir les vannes, avoir de la souplesse pour donner à ce texte une chance de donner satisfaction, parce que oui, il y a une question sur le chômage, oui, il y a une question sur la capacité d'embauche, mais le principe qui dit, pour pouvoir donner une chance à l'emploi, il faut donner beaucoup plus de facilité de licenciement, je crois que c'est une philosophie qui ne passe pas bon. Ouais. – Et dit faisait remarquer la semaine dernière que François Hollande
n'avait cure de tout ça. Ce qui l'intéressait, c'était être réélu. Hein. Oui, mais il a bien conditionné. Il a montré aussi où le curseur était pour être voilà. élu. Ouais, mais pour être voilà. élu, il a bien mis une condition, voilà. qui est une baisse du chômage. Une baisse du chômage. Tu parles d'Hollande, là. Hollande, oui. Oui, mais c'est ce qu'il disait. Il n'y en aura pas. C'est ce qu'il dit. Non. Il a conditionné. Il a dit. Pour être candidat. Candidat. C'est différent. Sa condition, c'est une baisse du chômage. Et tu penses qu'il va respecter son machin? Nous sommes au mois de mars. Au mois de mars. Le texte, si jamais il passe, il ne sait pas avant. Pas avant juin, donc avant la fin de la session parlementaire. Premier décret, nous sommes là pour septembre. De septembre à avril prochain, Kennedy est en médecin en chômage. Bien, alors nous avons déjà filmé. En parlant de candidat à la présidentielle, nous avons entendu que Mélenchon se présente tout seul. On a dit ça la semaine dernière. Mais pendant le week-end, on l'a entendu en télévision le dire de manière très claire. Mais il a appelé son pote Hollande, il lui a dit t'inquiète pas, je vais déjà fracturer le front de gauche, je me présente tout seul. Et Hollande lui a dit bravo, merci beaucoup. Non, mais quand j'ai entendu Mélenchon le dire, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit vraiment, messieurs, vous avez de bonnes informations, vous avez de bonnes analyses, parce que j'avais déjà entendu ça ici, avant que Mélenchon l'annonce de sa propre bouche. Alors, on est en relation avec lui. Je suis tout aidé. Deux mots sur cette histoire de tennis en Guadeloupe. Oui. Vous avez vu comment les gens commence demain. Ça commence demain. Comme on passe demain, c'est aujourd'hui. Mais vous avez vu les jeunes qu'on a emmenés là-bas, comment ils étaient contents de voir leur champion, tout ça. C'est normal. Pas content aussi. C'est normal. Non, mais. Normal. Mais justement. Quand Pelé venait ici, on est tous contents. On est tellement contents. Vous voulez voir Pelé gratuitement. C'est étonnant si vous ne pouvez pas voir ni mon fils, ni son gars gratuitement. Bien. Alors. Il y a plein de choses, mais bon, malheureusement, le temps est parti, comme ils disent. Hein. Alors, la Martinique est l'une meilleure destination de croisière de la Caraïbe. Ça a quand même retenu mon attention, parce que c'est vrai que Mme Karine Wakami, en fait, reçoit sa récompense en n'étant plus là. Eh oui, ça arrive souvent. Hein. Oui, ce n'est pas elle qui va la recevoir. Ça arrive souvent. Ouais. Et reste à faire en sorte que la croisière entraîne vraiment l'économie martiniquaise. J'ai cru que tu allais dire, il reste comment tu as quelle phrase? Il reste à faire en sorte que cet afflux de croisiéristes et de retombées, parce que j'étais encore avant-hier soir avec des amis français de passage parlons du Malecon, à 10h du soir, et c'était un désert. Ouais. C'était un désert. Bien. Alors, le problème. Alors, il reste à faire que la croisière s'amuse, en fait, en Martinique. Exactement. Oui, Daniel, je voudrais finir sur une note très humoristique. Oui. Il serait bon que Karine invite Karine à l'accompagner pour recevoir les prix. Ah, voilà. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Vous savez quelque chose que j'ai beaucoup aimé, effectivement, lorsque Sarkozy a perdu l'élection, la manière qu'il a accueilli, j'ai envie de dire, Hollande. J'ai trouvé ça bien. Et j'ai trouvé aussi bien l'UL accueillant Chalus à la région Guadeloupe. Non, mais c'est bien, c'est pour dire que je trouve ça bien. On n'a pas vu ça en Martinique. C'est républicain. On n'a pas vu ça en Martinique. Michel, moi la place où on va relever Baïda. Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine. Hein. Merci d'avoir une fois de plus éclairé nos amis téléspectateurs. Merci. Pas seulement Martinique, hein, ceci dit. Puisque c'est toute la Caraïbe. C'est normal, la Martinique, c'est le centre du monde, ça rayonne partout. Le nombril du monde. Le nombril. Oh là là. Les gars, bon week-end et à la semaine prochaine. Le second degré.